trois mois après l'éclatement du scandale Weinstein, le tapis rouge des Golden Globes a été dominé par le noir. Noir pour soutenir le mouvement MeToo ou Time's Up en solidarité avec les victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement. Toutes les actrices affichaient donc la couleur, de même que de nombreux hommes qui arboraient aussi des pins Time's Up. C'est une déclaration solidaire, un signe envers les femmes, la moitié de la race humaine, alors que beaucoup d'entre elles ont été victimes de harcèlement, d'abus, de violences de toutes sortes. Ce n'est pas une déclaration de mode, mais de solidarité, a déclaré Claire Foy, l'actrice. Nous sommes unis et c'est une bonne chose, a rajouté Matt Smith. Depuis octobre, le producteur déchu Harvey Weinstein a été accusé par plus de 100 femmes de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. Et avec la libération de la parole, une litanie de personnalités d'Hollywood ont aussi été accusées d'abus sexuels.